destructeur et transformateur. Ça manquera à personne. Salah et le tigre. Il est peut-être plus près que je croyais. Et empruntez ça. Fraser, viens voir. Tu crois qu'il est là? C'est fermé. Pas pour longtemps. Marchand d'ivoire aussi. Enfoiré. Ah, Lakshmi, déesse de la richesse. C'était quoi cette carte? Les Ghâts occidentaux, le territoire des Aïssala. Oh, merde! Non, tout va bien. Rien qu'on sache déjà. Merde! Fais gaffe! On s'en va. Nadine Ross. Quelle bonne surprise. Attention, camarade. Ce tigre a des griffes. Asav. Après toutes ces années, tu n'as pas pris une ride. Pas une. Trop aimable. Tu cherches du travail? Il paraît que tu as perdu la direction de Shoreline. Un léger contretemps? Rien d'insurmontable. Bien sûr, bien sûr. C'est dommage. Mon équipe aurait besoin d'une personne de ta trempe. Je dois dire que vous avez une très belle collection. Chloé Fraser, collectionneuse d'antiquités. Une voleuse. Tu travailles pour une voleuse. Monsieur, il y a un problème. Monsieur, le pink lotus.
quoi? Quelqu'un a décimé notre équipe. À vous. J'arrive tout de suite. Le disque. Ah oui, ah oui, puisque on en parle. Au début, j'ai cru que vous étiez un rebelle ordinaire. Oh. Mais vous avez réussi à mettre la main sur l'Empire Oysala. C'est pas mal. Mais leur plus grand trésor, la défense de Ganesh, ça sera pas aussi facile. Qu'est-ce que tu fais ? Trois invasions perses, trois guerres différentes, et après toutes ces années, personne ne l'a trouvé. On approche. Vous êtes perdu. Et désormais, votre seule chance de commencer à réduire la zone de recherche, c'est de trouver quelqu'un qui peut vous aider à décoder cet artefact. Quelqu'un qui connaîtrait à fond la civilisation Oysala. Exactement. Hmm. Un expert de leur culture et de leur histoire. Mes prix sont raisonnables. Un parasite qui exploite nos efforts dans le but de se remplir les poches. Hein. Ça veut dire non? Je crois que ça veut dire non. Vous avez du cran, ça me plaît. Mais j'ai déjà assez de soi-disant experts. Tuez-les, jetez les corps dans la rivière. Inutile. On trouvera la sortie. Arrêtez-les! Là, on est bien. Oh, merde! Allez! Il faut qu'on traverse la rivière! Elles sont là! Éliminez-les! Voilà! Ok. Brutal, mais efficace. T'as voulu me doubler, c'est ça? Ça s'appelle de l'improvisation. Et c'est moi qui suis pas professionnelle? Qu'est-ce que tu sous-entends? Que t'as laissé Asav nous prendre par surprise. Je me demande si tu vaux vraiment tes 50%. Je le savais. T'étais prête à me laisser tomber. Voleuse un jour, voleuse toujours. Tu ne sais rien. À propos de moi. Je te préviens. Le dernier qui m'a trahi a pris une balle. Voilà la rivière. Ouais. J'espère que ton ami est là. Merde! Faut pas traîner ici! Je suis! Suis-moi pourquoi? Donc, c'est dangereux! Non! Oh non! Quelqu'un! Merci! Allez! Prends le disque! Ouais! Avance! Attention! Oh, pour l'amour du ciel! T'as eu de la chance! C'est à moi. Quelle bande de chochottes! C'est pas le moment de te la raconter, allez! Pas.
rivière est en dessous. Lise, le nord des lumières. C'est parti. Comment ça se passe? Tout roule. On devra arriver dans une heure. Parfait. La défense de Ganesh. Pas étonnant qu'ils aient pillé la capitale Yol'Sala. Regarde-moi ça. On a une chance? J'ai pas besoin de chance. On va avoir besoin de toute la chance possible. Tu t'inquiètes encore du soi-disant expert d'Assav? T'en fais pas. Si Assav est pas déjà au Ghat, il doit déjà être sur nos talons. Il a des armes. Du matériel et des centaines d'hommes. Je te le redis. C'est pas un problème. Tire un genre de clé. Possible. Voyons ça. Alors. Le trident était l'arme de Ganesh. L'arc et la flèche. Était à Parajurama. Et la hache, un cadeau de Shiva. La grande bataille. Quoi? La grande bataille où Ganesh a perdu sa défense. Je te parie que si on trouve ces symboles, on trouve la défense. Pas mal, Fraser. En fait, faut remercier mon père. Les mythes hindous, c'était sa passion. Il te l'a transmise? Il doit être fier. Il fait presque jour. Je vais me préparer. Bon travail. Une sacrée marche pour une simple vérif. Disons que c'est juste pour me rassurer. Bon. La vue est sympa. Et regarde. Comme c'est bizarre. Pardon d'avoir douté de toi, Chloé. C'est Osala? Oysala. Ça date pas d'hier, alors. Je dirais qu'on est sur la bonne piste. Quoi? J'aime pas ça. C'est parce que t'aimes rien. Non! On a fait presque 100 km et aucun signe d'Assav. Vois le bon côté. On a peut-être fini par semer. Ça m'étonnerait. Je trouve la défense. Tu t'occupes d'Assav. Compris. On se retrouve à la voiture? Ouais. Quel paysage incroyable.
tomber. Tu peux traverser? J'y réfléchis. Je vais bien, au fait, hein. Et voilà. Ok. T'es toujours là-dessous? Ouais, toujours là. Ok, je voulais juste en être sûr. Tiens, donne-moi ta main. Je m'en sors, t'inquiète. Ok. Tu veux que je conduise? Non. Ça me dérange pas. Moi, si. J'aime bien avoir le contrôle. C'est clair. Oh, et si on profitait un peu de ce havre de paix? J'ai une question bête. Une prochaine fois. Comment tu sais que la défense est toujours là? Elle se serait retrouvée dans un musée depuis le temps, non? En plus, j'ai vu aucune expo sur les Hoysala. J'avais jamais entendu parler des Hoysala avant ce boulot. En fait, c'est la faute de leur dernier roi. Un type jeune et insouciant qui a dilapidé les richesses de son empire. Il a bâti une nouvelle capitale pour abriter la défense. Ensuite, il a mené les Perses aux portes de la ville. Et aujourd'hui, nous. Et aujourd'hui, nous. Regarde ça, une réunion de flamants roses. Ça rafraîchit. Merci. T'aurais pu me prévenir. Oh, t'es pas marrante. Alors, ça fait du bien de sortir un peu, non? Loin de la ville. C'est plus calme. Tu reviens souvent ici? Non. Pas vraiment. Attention, bon, ralentis. Regarde un peu ça. Des ruines Hoysala. On peut passer cette porte? Je vais aller voir. L'ancienne capitale. Qu'est-ce qu'on a? Alibidou et Bélour. Je croyais que c'était Ganesh et Shiva. Ben, je vois que tu m'écoutes. Ganesh était le gardien d'Alibidou. La toute nouvelle capitale d'Hoysala. Shiva était le gardien de Bélour, l'ancienne capitale. Ces sculptures sont bien jolies, mais pas vraiment une défense efficace. Le quartier des sculpteurs, je dirais plutôt. On est encore à la périphérie. Je savais pas que t'étais archéologue. L'archéologue, c'était plutôt mon père. Je suis qu'une voleuse, tu te rappelles? Hé. Y a pas un treuil sur la voiture? On dirait bien. Super. Ça devrait suffire pour cette porte. T'as l'intention de l'arracher? Exactement. Quoi, t'as de la dynamite? C'est toi l'experte. Je prends ça pour un nom. Ce
Ce mur a l'air fragile. La porte! Bon, ça devrait faire l'affaire. Trésor, c'est l'embuscade! Merde! Baisse-toi! Merci pour l'info! Ok, c'est fini. Est-ce que tout va bien là-haut? Ouais, ça va. En fait, j'ai trouvé la défense de Ganesh. Ok, où on en était? T'étais sur le point d'abaisser une vieille porte. Oh, c'est bon. Et voilà le travail. T'es bien silencieuse. Je suis juste surprise, c'est tout. J'aurais imaginé du genre plus discrète en matière de ruines indiennes. Dans ce genre de métier, la sensiblerie ne mène qu'à la mort. Quoi? C'est juste de gros rongeurs volants. Techniquement, pas vraiment. Ouais, c'est ça. Elles sont plus proches des primates et des lémuriens. Ok, je vérifierai. Et voilà le travail. Je suis passé. Arrête! Ah, ça va. Ah. T'as de bons yeux. Merde. Il a tout un bataillon avec lui. Et il y en a peut-être encore à l'intérieur. Je trouve ça flatteur qu'ils nous prennent tant au sérieux. Il faut qu'on passe cette porte. Chaque chose en son temps. Il faut d'abord qu'on s'occupe de tous ces cœurs. T'as un plan? Ouais. Bien sûr. Des nouvelles de Cobra 1? Attends un peu. Ils vont appeler si ces chiens m'ont pas fait. J'aime pas ça. C'est pas deux étrangères qui vont nous faire peur. Aie confiance en moi. Ok, tu fais pas dans la sécurité, quoi. Pas vraiment. C'était vraiment ça, ton plan? À peu près. Tu sais pas? On se tire dessus! Je tiens! Oh, merde.
des renforts qui arrivent. Bordel. Glenn. Exactement comme prévu. Ouais. Je vais ouvrir la porte. Tu vas chercher la voiture ? Ça doit être ça. Les armes. Ok, tu peux y aller. Attention. T'inquiète. Capable de conduire, tu sais. J'en doute pas, ma belle, mais je préfère que ce soit moi. Waouh. On n'est pas sortis de l'auberge. C'est vrai, mais on a un avantage. Pas comme ton copain, Asav. Les trois symboles. Regardons la carte. Ok, voyons. On est juste là. Je vais le marquer au fur et à mesure. Regarde cette tour. Waouh. Je parie qu'on a une super vue de là-haut. Peut-être. Ok. Je vais surveiller Asav. Parfait. Je m'en fais pas pour lui, t'inquiète. Tu devrais. On n'aura pas deux fois l'effet de surprise. Il devait pas attendre beaucoup de toi. Attends,
C'est un compliment ? Parce que ça ressemblait à un compliment. Ces hommes sont des idiots, mais Asav est... Il faut juste qu'on reste le plus loin possible de lui.